jamais facile lorsqu'on est autour de la table de définir quel est le pilote de l'année. Là, moi, j'en compte au moins 4. Là, il y a 4 pilotes voilà, de l'année. On s'est arrêté sur 4. S'est arrêté sur 4 noms qui méritent tout à fait leur récompense. Et bien sûr, on pense d'abord aux tout jeunes qui sont présents sur bon nombre de manifestations, qui décochent des titres, qui ont aussi des fois quelques soucis physiques ou mécaniques. Alors, le premier nommé et à l'unanimité, il a été nommé par le bureau. C'est un pilote qui déménage fort avec son 65, qui est dans les 4-5 au scratch. Quand il roule avec les 85. Tout à fait. Il aurait pu avoir un meilleur classement en motocross parce qu'il s'est déplacé sur la métropole sur des épreuves nationales. C'est très bien pour lui. Avec la famille qui est bien présente hein, pour supporter ces pilotes. En catégorie 65 cm3, la Ligue réunionnaise de moto tient à féliciter et à récompenser Matteo Tourneubils. En 85 cm3, grosse pression sur les épaules de la famille du club du nom. On l'applaudit bien fort, Payet Raphaël. Alors Raphaël en 85, c'est un peu comme Matteo en 65, c'est vraiment des pilotes qui se donnent et qui sont vraiment très gentils et très agréables à côté. C'est vraiment un amour de les côtoyer. Et j'espère qu'ils garderont leur mentalité lorsqu'ils vont grandir et qu'ils restent comme ça. Voilà, on les applaudit bien fort, Matteo et Raphaël,